Film super action. Dans La Révolution des tracteurs. Tout commence dans la prairie, là. Et il résulta, il y a les tracteurs. Ils bougent, et en fait, parce que ce sont des personnages aussi, des tracteurs qui parlent, normalement naturels. Ils sont accompagnés avec aussi des fourches, mais aussi avec des lanceuses à malice et l'herbe, ainsi que les moissonneuses batteuses. Et d'ailleurs, ils voient leur chef. Et en fait, leur chef, ce n'est pas n'importe quel tracteur, c'est un tracteur qui se transforme en un Transformers. Et ils parlent aussi comme eux. Et là, ils disent aussi que là, il se fait appeler Trackman, le grand patron des tracteurs. Et là, il annonce à vos tracteurs, dit, Tracteur, nous sommes prêts pour attaquer. Il est prêt à attaquer. Il dit aussi, les paysans sont nos amis, mais les royales sont nos ennemis, jurés en plus. Oui, ils disent aussi pourquoi. Et là, ils disent, on va détruire les châteaux et comment? Et comme ça, on construit des pas attractions. Pour que tout le monde vive en paix, les paysans vont être riches. Oui, les tracteurs sont amis avec les paysans. Ils font ça pour se venger contre les royales. Ils veulent se venger contre les familles royales et le détruire les châteaux une bonne fois pour toutes. Ils lancent tous des missiles. Les missiles sont prêts et visent partout et détruire. Le château est rasé et ensemble, grâce au Trackman et les tracteurs, ils construisent désormais les parcs d'attractions. Désormais, libération. Et ils s'occupent du reste, tous les châteaux. Ils lancent des missiles et détruire. Rasé. Et voilà, parcs d'attractions et partout, des parcs d'attractions partout, partout, partout. Tout ce qui sont dans le château finit par être détruit et à la place, il y a des parcs d'attractions pour libération. Et comme résultat final, les paysans sont heureux aussi et ils sont riches. Et ils disent aussi merci les tracteurs. Et là, fin de l'histoire. Et c'est la gloire grâce aux tracteurs qui sont nos amis et ils sont là ici pour nous sauver la vie contre ces royales. Parce que les royales, les familles royales sont nos ennemis jurés.